Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission Temps des prières agressives avec l'homme de la continuité, le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons, dans le cadre de cette grande émission, l'émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, dénommée Temps des prières agressives. Que le Dieu très haut vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui sont connectés, toutes celles qui sont branchées en ce net moment en train de nous suivre. Daigne le Dieu de la Bible vous bénir et qu'il vous bénisse tous au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Soyez bénis les papas, les mamans, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. De la part de l'homme de Dieu, le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Le pasteur répond au plus 1-331-262-49-03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre humble serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1-331-262-49-03. Donc, vous pouvez nous joindre par ce coordonnées téléphoniques et vous allez nous atteindre facilement. Vous êtes présent, maman, vous êtes présente. Vous avez un compte Facebook. Veuillez partager ce live sur votre mur. Partagez-le sur votre journal. Vous êtes abonné à certains groupes Facebook. Ça peut être 10 groupes. Même les groupes où on parle de la politique. Allez-y, partagez là-bas. Partagez les liens. Permettez à quelqu'un de nous rejoindre. Partagez dans les groupes Facebook dont vous êtes membre. Je vous prie aussi de copier le lien et de le partager sur WhatsApp. Partagez massivement sur WhatsApp, c'est-à-dire sur votre propre compte WhatsApp. Vous pouvez également partager à vos amis. Vous leur envoyez le lien. Vous pouvez également, mes amis, partager dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés. Tout ça, c'est pour faire une large diffusion de notre service et de nos messages. Et de ce moment de prière, une âme peut être édifiée, une âme peut être bénie parce que vous lui avez envoyé les liens. Encore une fois, recevez la grâce ainsi que la bénédiction de la part de l'Éternel. Merci à vous tous. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le pouce bleu ou de donner les cœurs, c'est-à-dire pour nous rassurer que vous nous suivez 5 sur 5. Cliquez sur « J'aime », voudrais-je dire. Et soyez également actifs pendant l'émission par vos commentaires pour nous rassurer qu'effectivement, nous sommes ensemble. Ne suivez pas comme au cimetière, ne suivez comme à la maternité. À la maternité, il y a le mouvement. À la maternité, il y a du bruit. À la maternité, on réagit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix pour dire à Dieu merci. On lui dit merci pour ce temps précieux qu'il nous octroie. On lui dit merci pour la force physique, la bonne santé. On lui dit merci pour la disponibilité qu'il nous donne. Voilà que beaucoup pouvaient peut-être prier, mais ne sont pas capables, soit affaiblis par la maladie, soit dépassés par des événements. Mais toi et moi, Dieu nous donne quand même ce temps où nous pouvons nous recueillir dans sa présence. Il y a de quoi lui dire merci. Est-ce que tu peux élever ta voix, commençant déjà à dire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ton souffle, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, prions au nom du Seigneur. Éternel des armées, nous voici devant ton trône de gloire, nous nous rapprochons de ton trône de grâce, te disant merci. Merci Seigneur, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous octroies des souffles de vie. C'est toi qui nous octroie l'être, le mouvement et la respiration. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Nous te bénissons Jésus, nous t'exaltons Shiloh d'Israël. Nous te célébrons le roi des rois. Reçois la gloire, l'honneur et l'élévation émanant de la profondeur de nos cœurs. Ensemble avec les bien-aimés, nous t'acclamons, nous te célébrons et te magnifions. Au nom de Jésus, avant ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Tu vas demander à Dieu de purifier ta robe, de purifier tes pensées, de purifier ton âme. Tu vas dire à Dieu de laver ta robe maintenant. Implore la miséricorde du Seigneur, Éternel des armées.
nous voici devant ton trône, te demandant ainsi de purifier nos âmes. Dieu Tout-Puissant, purifie nos cœurs. Nous voici devant toi, Jésus, te demandant de nous purifier. Il est écrit, même si nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi, tu es le Dieu qui nous rend plus blancs que la neige. Seigneur, entends la voix de tes fils et de tes filles, réunis en cette séance de prière agressive, demandant ta miséricorde, demandant ton pardon, demandant ta pitié. Merci parce que tu nous aimes. La Bible dit, même si notre péché ou nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi, tu es le Dieu qui nous rend plus blancs que la neige. Merci de nous laver, merci de nous purifier, merci de nous justifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es encore en train de nous rejoindre, je te prie de faire comme ceux qui nous ont précédés. Tu cliques sur j'aime et puis tu partages la vidéo pour permettre à quelqu'un d'autre d'être connecté également, de bénéficier de ce moment important de prière. Vous qui vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, veuillez vous abonner. La page est Patrick Alala Ministry. Cliquez sur j'aime, cliquez sur s'abonner et puis partagez également, n'est-ce pas, invitez vos amis à s'abonner sur cette page. Tu vas demander au Saint-Esprit d'inonder ton âme. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi et conduis-moi aussi. C'est-à-dire que tu recommandes ton âme, ton cœur entre les mains du Seigneur, demandant au Saint-Esprit de prendre la direction de ton esprit pendant tout ce moment de prière. L'exhortation qui sera prêchée, qu'elle puisse t'affecter positivement. Les enseignements qui seront communiqué, que ça puisse t'apporter un plus. Je te prie de prier. Élève ta voix et demande à Dieu, Saint-Esprit, conduis-moi, remplis-moi, réveille-moi de ta puissance. Au nom de Jésus, alléluia. Dieu très haut, le Dieu de la Bible, nous voici devant ton trône, te demandant ainsi d'inonder nos âmes. Remplis-nous de ton esprit, esprit de vie. Viens chasser la colère, la méchanceté. Viens ôter les frustrations, les doutes, l'incrédulité. Viens ôter la distraction, la divagation de pensée. Viens ôter l'incrédulité dans le cœur. Viens ôter tout ce qui puisse nous souiller, empêchant ainsi ta manifestation dans nos vies. Esprit de l'Éternel, c'est toi notre ami, notre consolateur, notre force. Fortifie ta fille. Fortifie ton fils qui prie de tout cœur et qui a besoin de ton secours. Merci Saint-Esprit parce que tu consoles ceux qui ont les cœurs brisés. Merci parce que tu défends la cause de ceux qui sont oppressés. Merci parce que tu es le Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de prendre la direction de tout sauf de rien pendant cette séance de prière. Au nom de Jésus, avant ainsi de prier, nous disons trois fois Amen. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement passer à notre sous-thème d'aujourd'hui. Et je tiens également à vous signaler que nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Ce sera pas très long, comme on a un programme surchargé. Il est encore 23h44, donc demain on a un programme surchargé. Voilà pourquoi on ne sera pas très long aujourd'hui. On sera peut-être plus bref que d'habitude. C'est-à-dire, au lieu de 2 heures, on risque de faire 1h30 ou 1 heure. Donc je vous prie vraiment d'être déjà dans le bain. D'être dans le bain, on a des courses à effectuer. Sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir la Bible dans les livres de Ruth. Nous sommes dans les livres de Ruth. Ok. Chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. On peut commencer à partir du verset 6. Et n'oubliez pas que notre thème d'aujourd'hui s'intitule
Prière pour vivre une nouvelle visitation divine. Autrement, je dirais, la prière pour déclencher une nouvelle visitation divine. Autrement, je dirais encore, la prière pour vivre de nouveau la visitation divine. Je pense que ça, c'est la meilleure des propositions. Hein? La prière pour vivre de nouveau la visitation divine. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends, et qu'il te bénisse davantage, toi qui partages. Je pense que vous ne partagez pas que dans les amis du pasteur Kalala, mais aussi dans tous les autres groupes Facebook. Je pense que vous partagez aussi à vos amis sur WhatsApp, également dans les groupes WhatsApp. Vous qui faites ça, que Dieu vous bénisse. Allez, rapidement, nous passons à la lecture biblique. La Bible dit ceci. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 6. Puis elle s'éleva. Elle fit quoi? Elle s'éleva. Elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab. Car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait. Que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, mais aussi envers moi. Que l'Éternel fasse trouver assez à chacune de vous du repos dans la maison des maris. Amen. » On peut s'arrêter là, mais pour une bonne compréhension du récit, je vous prierai et je vous conseillerai de lire tout le chapitre. Pourquoi ne pas lire tous les livres des Ruth? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il change ce logos en rhéma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Toi qui dis amen, que Dieu te visite. Pour ceux qui nous ont rejoints, notre règle du jeu ici, c'est quand tu es connecté, tu cliques sur j'aime, tu partages dans les groupes et puis tu commences à commenter, tu participes à l'émission. Recevez la grâce ainsi que la bonté du Seigneur. Mon frère et ma sœur, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Ici, il s'agit d'une maman qui ne vivait pas à Moab. Elle avait sa zone ou sa région de résidence. C'était Bethléem Ephrata, Bethléem de Juda. C'était la terre où Dieu les avait visités. Elle, son mari et ses deux fils. On appelle Bethléem Ephrata la maison du pain. Quand on parle du pain, c'est-à-dire on parle de besoins quotidiens. On parle de ce qui communique la vie. On voit la stabilité. On voit les conforts sociaux. Et ils étaient là-bas en paix. Comme la vie est faite de saisons, il se ferait que la saison des difficultés approche. Quand la saison des crises, qu'on appelle la zone des turbulences, arrive, ils n'ont pas pu supporter, ils ont alors décidé de se déplacer, de quitter la terre de bénédiction pour aller à Moab. Et vous connaissez ce qui leur est arrivé là-bas. Cette femme à la personne de Ruth, de Naomi plutôt, va perdre son mari en premier. Et par après, elle va perdre ses deux fils qui s'étaient déjà mariés aux filles moabites. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. C'est-à-dire que
la maman se pose maintenant où elle se place dans des conditions difficiles. Elle est en train de subir crise, difficulté, calvaire, etc. Pas avec son mari, pas non plus avec ses deux fils parce qu'ils sont déjà décédés. Elle reste seule là-bas, sur la terre des pertes, sur la terre qu'on appelle la terre de, comme une sorte de vallée de Baca, la terre où la saison des épreuves difficiles. Mais dès là, elle a constitué un rassemblement de fils ou plutôt de filles ou de femmes veuves, qu'on peut appeler un rassemblement des femmes pleureuses. J'entends parler de ce genre d'association dans beaucoup d'églises, même dans celle dite des réveils, malheureusement, où les gens se constituent en association des femmes pleureuses. Nous, les femmes pleureuses de ceci, bien-aimés, ça peut faire beau à l'oreille, ça peut sonner bien, mais laissez-moi vous dire que c'est du n'importe quoi. En ces temps de la grâce, en ce moment, on doit voir la foi en Dieu. Vous vous préférez vous reconstituer en association des personnes qui doivent pleurer. Je ne sais pas de quelle façon vous comprenez les choses de Dieu. Si vous faites partie de ce genre d'association, je vous prie de sortir de là au nom puissant de Jésus. À constituer même, changer ces associations-là en femmes joyeuses. En femmes battantes, comme je vois sur Facebook, la femme battante. C'est bien. Femme victorieuse, femme de valeur. Alléluia. J'aime ça. Des femmes de valeur. Ça, j'ai entendu où? J'ai été invité au ministère du combat spirituel. J'ai entendu des femmes de valeur. Des mamas Sephora. C'est comme ça. Ma soeur et mon frère, bien-aimé. Voilà que pendant qu'elle traverse des moments difficiles, comme Genèse 8, 22 dit ceci, sur la terre, il y aura toujours des saisons, la chaleur et le froid, les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que ces choses seront là, papa, maman, sachez-le très bien dans vos têtes. Les temps et les saisons changeront toujours. En passant, je m'aimerais encourager un bien-aimé. Tu as pleuré ou tu es en train de pleurer parce que tout ne va pas dans ta vie. Que ce soit sur ta santé, que ce soit sur tes revenus dans tes affaires, que ce soit, bien-aimé Seigneur, dans tes études, que ce soit dans tes relations amoureuses ou émotionnelles, sentimentales, etc. Dans tout ce que tu envisages de faire, rien ne marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. J'étais en train de dire, daigne le Dieu Tout-Puissant te bénir et qu'il te bénisse richement. Là, il s'agit d'une période de crise qu'était en train de traverser cette femme en la personne de Naomi. C'est-à-dire que elle vit le chaos, elle vit des pertes, elle vit des moments difficiles. Mais voilà que pendant qu'elle traverse ces moments, elle entend maintenant, elle entend la voix, elle a une nouvelle qui est bonne. On lui annonce que à Bethléem Ephrata, Dieu venait de visiter. Aïe, aïe, aïe. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire, les difficultés que tu traverses, elles ne demeureront pas toujours. Elles ne vont pas durer éternellement. La vie, elle est faite des saisons.
Et la Bible réitère en disant, il y a un temps pour pleurer, comme aussi il y en a pour rire. Il y a un temps pour perdre, comme il y en a également pour gagner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui perd? Voilà que cette femme était en train de pleurer. Elle était en train de perdre. Elle avait perdu beaucoup. Et ce n'était pas une fois, plusieurs fois même. Elle a perdu son mari. Elle a perdu sa femme. Plutôt ses enfants, son premier fils. Elle a perdu le deuxième. Elle pouvait se dire que je ne ferai que perdre. Et ma vie sera une vie de perte. Et l'ennemi, le diable, vient souvent profiter des moments comme celui-ci pour vous inculquer ce genre de conception. Comme si tu échoueras toujours et tu continueras à échouer. Comme si tu échoueras et tu feras du surplace et tu continueras à faire du surplace. Comme si ça ne marchera pas, ça ne continuera pas toujours à marcher dans ta vie. Ça, c'est l'ennemi. Et il vient souvent développer ce genre de trucs. Mais ce matin, à travers cette lecture même de l'histoire de Naomi, je pense que quelqu'un peut déjà placer sa foi en Dieu et comprendre qu'après les temps de souffrance, l'Éternel peut te faire une surprise agréable et te donner encore de l'espoir et te visiter de nouveau. Voilà pourquoi nous allons prier pour que Dieu nous fasse vivre de nouveau des moments de visitation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Voilà pourquoi nous allons prier, mon frère et ma soeur, pour que Dieu nous fasse vivre de nouveau des moments de sa visitation. Donne-moi un amen plus fort. Que l'Éternel désormais te bénisse. J'attends quelqu'un dire des moments de visitation de la part de l'Éternel. Que tu entendes aussi parler d'une nouvelle visitation. Que tes yeux voient une nouvelle visitation. Après ces moments de perte, après ces temps de maladie, après ces moments de dépression qu'on appelle la vallée de Baca, après ces moments de perte de fiançailles, de perte de fiancés, ils sont partis en cascade. Après ces moments de perte d'emploi, après ces moments de perte de mariage, après ces moments de rejet des dossiers partout, tu introduis les dossiers, on ne fait que rejeter. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire que des moments de visitation divine peuvent aussi venir. Des moments où Dieu te fait oublier la souffrance des années et des années, la souffrance des jours et des nuits, la souffrance endurée pendant des mois. Ces moments-là peuvent encore venir. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui pour prier que Dieu nous fasse vivre de nouveau ces moments-là. Et j'annonce à quelqu'un, ne te laisse pas séduire par les ondes des hommes. Parce que le diable, pour te dissuader de l'amour de Dieu, il peut passer par des hommes. Des hommes qui se prennent pour Dieu et qui concluent concernant ta destinée. Ah, celle-là ne réussira plus. Celui-là, il va bientôt mourir. Celle-là, elle va échouer. Celle-là, elle est déjà à la ménopause. Elle n'a ni fiancé, ni proposant. Bon, même si on l'a marié aujourd'hui, c'est comme les calculs que Naomi était en train de faire sur la vie de ses belles filles. Même si je devais encore avoir des enfants aujourd'hui, allez-vous attendre qu'ils grandissent? Vous serez déjà des vieilles, atteint l'âge de la ménopause. Est-ce que vous comprenez? Le diable suscitera des hommes. Je ne sais pas s'il en a suscité auprès de vous déjà. Il y a des personnes comme ça. Il y a également d'autres qui ont des données. Ils connaissent des choses. Ils ont des informations selon lesquelles ta maladie là, c'est pour ta mort. Il y a des ceux-là qui savent que nous, lui là, on va les tuer. Il connaît parce qu'il est dans les lots. Et il les dit même pendant que je parlais là. Est-ce que vous comprenez mes amis? Ils sont là. Mais laissez-moi vous dire une chose.
les pensées des hommes diffèrent de celles de Dieu concernant ta vie. Pendant que nous parlons, seul Dieu est capable de décider, de détruire, de mettre fin à la vie de même la personne qui parle là. Dieu peut mettre fin à sa vie. Il n'y a que lui qui soit capable de redonner la vie, même à une vie, une destinée déjà amputée. Il l'a fait pour Lazare. Il est souverain, mes amis. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes d'abord, avant qu'on avance. Et quand je dis que nous sommes rassemblés ici, pour prier, de sorte que Dieu nous fasse vivre encore des moments de gloire, ce n'est pas de l'utopie, ce ne sont pas des simples imaginations de l'homme de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui nous fait voir cela. Et je prophétise sur toi, donne le Dieu que je prêche, te permettre à vivre encore des moments de gloire, que des moments de gloire, des moments de visitation fassent suite à ces années de pleurs, à ces années de tristesse, à ces années d'humiliation, que des moments de sourire, des moments d'une nouvelle joie te soient communiqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Voilà qu'après ces années de perte, cette femme ne pouvait plus croire à une retraite paisible et agréable. Déjà, Batoumengba Salanga goût, il y a vie. Batoumengba Salanga nazala, bas bakoufi. Mbal nanga nazala, ami intime, asakei. Bon, ceux qui ont fait la tâche, ils sont déjà morts. Mais mon avenir, ma retraite, est-ce que je serai joyeuse ou heureuse? Elle ne pouvait plus y croire. Papa, maman, je viens te dire ce matin, les pensées de Dieu diffèrent des nôtres. Les calculs de Dieu sont différents de nos calculs. C'est pourquoi la première chose dans ces principes de prier et de chercher, de faire des prières pour des nouvelles visitations, il faudrait que tu commences d'abord à croire en la bonté de Dieu, mais aussi en sa capacité d'opérer, de ramener à l'existence des choses qui ont cessé d'exister. Ça, c'est le plus grand combat. C'est le plus grand combat que nous avons. J'aimerais que tu commences à croire que Dieu est capable de ramener à l'existence même celles qui ont cessé de l'être. Est-ce qu'on peut prier pour exprimer notre foi et confiance en Dieu? Que tu prennes deux belles minutes où tu dis à Dieu, Yahweh, je suis sur cette terre des humains. Avec mes yeux, je regarde, je peux parler également le même langage que ceux qui me dédaignent. Les réalités ne me donnent aucun espoir. En regardant le cancer du sein sur ma poitrine, quand je regarde le cancer du col de l'utérus, quand je regarde la leucémie qui est en train de me frapper, c'est-à-dire le cancer du sang, quand je regarde la prostate ou les reins qui sont endommagés, c'est des maladies qui font peur, c'est trop fort. J'ai pu parler le même langage que les docteurs. J'ai pu parler le même langage que mes amis qui viennent me rendre visite à l'hôpital. Quand je regarde les dossiers que j'ai au tribunal, je n'ai aucun espoir de sortir vainqueur. Je ne pense pas que demain ou les jours à venir puissent être des jours agréables. Je parle à quelqu'un qui traverse ou qui traverserait des situations comme celle-là. Et c'était exactement dans ce genre de conditions que s'est retrouvée cette femme à la personne de Ruth. Donne-moi un amen très bien que j'avance. Encore une fois, amen. Mais pendant que j'exhorte, j'aimerais que tu partages, papa. Maman, j'aimerais que tu partages ce lien. Partagez dans WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux auxquels vous êtes abonnés. Seigneur, soutiens la foi de quelqu'un. La Bible nous dit, après qu'elle ait tout perdu, c'est alors qu'elle entend
que Dieu a visité. Oh, je parle à quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant s'élèvera le dernier. Comme Job pouvait le dire, mon Rédempteur est vivant. J'aimerais que tu en arrives là. Je suis en train de booster ta foi, que tu commences à penser comme Job. La Bible dit en pleine douleur, pendant qu'il avait des plaies, des ulcères partout. Les ulcères ne viennent pas n'importe quand. Les ulcères lui arrivent, ça l'atteint au niveau du corps, après avoir perdu 10 enfants le même jour. 10 bana bakei wa. Après que ses activités aient été perturbées par l'ennemi, Job va perdre les fermes, 3 fermes, 3 grandes fermes. Pillé sérieusement, il y a eu même mort d'homme. C'est alors que les amis viennent lui rendre visite. Baotalayo. Bazo seka, bazo sa, bazo salama ou ala misunayo. Mais ne me pensez pas qu'il ne retourne. Je parle à quelqu'un qui sera en train de vivre des moments comme ça. Mais pendant que même sa propre femme lui dit, meurs seulement, insulte Dieu et meurs, Job ouvre sa bouche et il prononce une parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Rédempteur à moi. Il est vivant. Ça veut dire quoi? Job croyait en la possibilité d'une nouvelle visitation de l'Éternel. Oh papa, maman, laisse-moi te dire que Dieu est capable, même dans les tombeaux, dans les séjours des morts, de ramener la vie. On l'a vu avec Lazare. Il puait déjà. Dieu est venu lui accorder la vie. Mon frère et ma soeur, place ta confiance en Dieu. Ne te laisse pas effrayer par les ténèbres. Ne te laisse pas effrayer par les vents, ni par les mouvements et les agitations des hommes. Et quelque chose encore que j'aimerais te dire, ferme tes oreilles. Je sais que tu ne vas pas le fermer avec les cotons, tu entendras beaucoup. Les gens vont te décourager, ils auront un point de vue contraire à ta foi. Mais toi, ne te laisse pas entraîner, ni agiter par ce qu'ils disent. Développe ta foi comme celle de Job. J'aimerais que ta foi prenne des biceps comme la foi de Job. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà pourquoi nous voulons déjà commencer par exprimer notre foi à travers des déclarations et des confessions positives. Job, comme il croyait dans son cœur, il ne s'est pas arrêté là. Il est passé par la manifestation de sa foi en faisant des déclarations ou des confessions positives. Un homme de foi, une femme de foi, c'est celle-là qui est appelée à faire des déclarations et des confessions. Développer Vinayo, Sakola Kamakamboa bien. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses des zones de turbulence, quand le diable vient te faire voir que c'est fini, tu as perdu ton mariage, c'est fini, tu as déjà perdu le travail, ta vie est gâchée, rien de bon ne peut venir encore de toi, de ton mari, de ta femme, c'est fini, comme tu es atteint de cette maladie, c'est fini, le diable l'a emporté sur toi. Mon frère et ma soeur, espère contre toute espérance. Pour vivre de nouvelles visitations divines, il faut que tu transcendes cela, sois au-dessus de la mêlée, comme le disait le feu président Mobutu. Sois au-dessus de la mêlée. Zalali Kolo. Et laissez-moi vous dire que Dieu savait que nous serons butés à ce genre de problèmes. Voilà pourquoi il dit ceci dans sa parole. Il ne permettra pas une tentation qui soit au-dessus de tes forces. À permettre de. Donc tout problème qui t'arrive, tout combat que tu endureras dans ta vie sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, il faut déjà dans ta tête se mettre l'idée selon laquelle Dieu m'a donné des capacités d'être au-dessus de ces problèmes. Si je peux me concentrer en Dieu et avec Dieu, je vais l'emporter sur ces problèmes. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 fois Amen? Si tu crois, donne-moi 3 fois Amen, Amen et Amen. Crois fermement. C'est pourquoi ta foi doit maintenant se faire voir par des œuvres. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il puisse y avoir un homme de foi sans confession de foi. Je douterais fort d'une femme de foi sans déclaration positive dans sa vie. Et j'aimerais que tu te manifestes et que tu manifestes ta foi comme Job.
Job a commencé à confesser. La maladie est là. Les calamités sont là. Les difficultés, les combats, les zones de turbulence. Mais une chose est vraie. Mon Rédempteur n'est pas mort. Yamine Yazana Bomo. Ah, que Dieu bénisse encore. Écho d'adoration. Ngaina Kobangate. Le Dieu Tout-Puissant. La quatrième personne dans les temps de feu. On avait jeté Daniel, plutôt Abednego, Meshach et Shadrach. Job déclare, mon Rédempteur est vivant. Maman, j'aimerais que tu parles maintenant. Papa, parle malgré les problèmes que tu endures. Malgré que ça ne marche pas dans ta vie. Élève ta voix et parle. Confesse et confesse que Jésus est vivant. Dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta santé, lève-toi malgré la difficulté, malgré la souffrance. Commence par confesser en disant, Dieu, tu es vivant. Mon Rédempteur, tu es vivant. Shiloh d'Israël, tu es vivant. Est-ce que tu peux commencer à confesser? Mon Dieu n'est pas mort. La souffrance ne sera pas éternelle dans ma vie. L'instabilité, les blocages, la maladie, les situations difficiles ne demeureront point toujours dans ma vie. Les manques, la stérilité, le célibat, le veuvage, les problèmes, l'humiliation, la confusion, les rejets ne seront pas toujours là. Mais je connais quelqu'un qui n'a point changé, qui sera toujours vivant et qui a le dernier mot sur ma vie. On l'appelle l'Éternel des armées. Job pouvait l'appeler mon Rédempteur. Donne-moi trois fois amen et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Encore une fois, amen. Que le Dieu Tout-Puissant t'arrose. Toi qui me dis amen trois fois, que le Dieu Tout-Puissant délocalise. Merci de les confesser de ta bouche. Est-ce qu'on peut prendre deux belles minutes de confession? Déclarons et confessons. Maladie, blocage, combat, épreuve, difficulté. Je sais que vous êtes là, mais sachez-le aussi que mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est aussi là. Il est vivant. Et il s'élèvera en dernier lieu. Au nom de Jésus-Christ, commence par confesser cela. Deux belles minutes de confession. Lobé là-bas problème. Lobé là-bas difficulté. Informé bango. Bozawana nazo mona bino. Yo maladie nazo mona yo. Yo démon nazo mono. Ba ennemi boza. Mais sachez-le aussi que mon Dieu, il est vivant. Éternel, je viens te demander. Je viens te confesser. En présence des calamités, en présence des combats, en présence des maladies, en présence des blocages, en présence des attaques, en présence des humiliations, en présence des moqueries, dans le rejet, je viens confesser et témoigner, Père éternel, je viens rappeler à la mémoire de tous ceux qui se moqueraient de moi, de tous ceux qui me combattraient, de tous ceux qui limiteraient ma vie. Seigneur, je viens leur tenir informés que tu es vivant. Tu n'as point changé. Tu n'es point mort. Tu es vivant. C'est toi le Rédempteur de Job. Ensemble avec tes fils et tes filles, nous nous rassemblons à travers cette émission des temps de prière agressive pour confesser et annoncer au monde entier. Écoutez-moi très bien cette nuit. Écoutez-moi très bien ce matin. Sorciers des familles, occultistes méchants, jaloux et personnes haineuses, je viens vous rappeler et vous informer si vous ne savez pas que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Job, il est aussi mon Rédempteur. Il est vivant et c'est à lui de décider sur mon sort. Il est vivant, c'est à lui de changer les calculs et les donnes. Oh Père, merci d'être vivant. Merci du fait que tu ne sois pas mort. Je suis fier d'avoir un Dieu vivant. Je suis fier d'avoir un Dieu qui s'élève en dernier lieu. Je suis fier d'avoir un Dieu qui s'élève à la dernière minute comme le Rédempteur. Papa, nous te confessons dans nos vies. Nous te confessons dans nos familles. Nous te confessons dans nos activités. Nous te célébrons dans toutes nos voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le matin, tu es mon Dieu. La nuit, tu es mon Dieu. Les jours, tu es mon Dieu. En cachette comme en public, tu es mon Dieu. Dans toutes mes voies, même pendant mes moments de sommeil, tu resteras mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui pries bien.
et qu'il honore ta foi. Le rédempteur des gens. Akufate Azanabomo. Bien-aimé dans le Seigneur, après des moments de pleurs, dans les calculs de Dieu, c'est comme ça qu'il opère toujours. Vous vous souviendrez de la famille de Lazare. Lazare est malade. Jésus-Christ n'était pas loin, à Béthanie. L'histoire se passe à Jérusalem. Jésus n'est pas loin. L'histoire se passe à Béthanie, lui il est à Jérusalem. Lazare est sérieusement malade, c'est-à-dire que la famille de Lazare, ce sont les disciples de Jésus, c'est comme toi également, c'est comme moi, disciples du Seigneur. Donc, toi, quatre benza, jeûne, ils soutiennent les œuvres de Dieu, ils craignent Dieu en esprit, en vérité, ils marchent dans la crainte de Dieu, c'est vraiment des fils de Dieu dignes de ces noms. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont tordu les sens. Si quelqu'un a le malheur, c'est qu'il est soit sorcier, soit il est hypocrite, soit il ment les gens, il a une vie de duplicité, etc. Soit il n'a pas Dieu. Bon. Mais la Bible dit, très souvent, le malheur atteint les justes. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà que la maladie va terrasser le petit Lazare. Mais avant qu'il ne meure, sa grande sœur Marie envoie les gens chercher Jésus. C'est-à-dire, ils organisent des jeûnes, ils organisent des prières. Vous invitez Jésus, viens. Il y a des moments où vous priez assez. Vous faites des jeûnes, des retraites. Mais Jésus ne répond pas. Oh, tu n'as pas de prophète. Prophète, André Nzamba Betinga Kara Mikolo. Les serviteurs arrivent, ils parlent à Jésus. Maître, ton ami, celui que tu aimes, Lazare, il est malade. Sérieusement. Et Marie nous envoie te chercher. La Bible dit dans le livre, il faut lire ça dans le livre de Jean chapitre 11. La Bible dit, Jésus-Christ a écouté. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas fait un geste ni un signe. Ok, rien. Comme pour dire, il y a des moments comme ça, Yaya. Papa, maman, il y a des moments comme ça. Oyo côté retraite, aussi ici, Bandeltisuka, ni rema, ni vision, ni prophétie. Mais la situation difficile persiste. Il y a des moments où les enfants sont malades. Il n'y a pas de solution. Le médecin dit ça. En tout cas, là, il faut Dieu. Tu vas prier, mais Dieu ne répond pas. Cela ne veut pas dire que la visitation divine soit incapable de venir. Après ces temps de repos, la situation s'empire. Lazare décède, il meurt. On organise les deuils. Jésus ne vient pas. Voilà que toutes les données sont réunies. Lazare commence à pourrir. Toutes les raisons et les conditions sont réunies pour rassurer, pour prouver à suffisance qu'effectivement, histoire à Lazare, là, Jésus, ça appartient au passé. Là, c'est d'après les hommes. Là, c'est d'après nous, même nous les fidèles et les chrétiens. Mais d'après le plan de Dieu, rien n'est impossible à lui. Il est capable de faire vivre de nouveau les choses qui ont été détruites. Si un homme tué, qui commence à pourrir, Jésus-Christ peut venir et le ramène à la vie. C'est seulement ton travail qui a été détruit que Dieu ne peut pas te donner. Il y a des gens qui... Tu vois un chrétien là, il fait des déclarations à haute voix, il n'a même pas honte. Papa, l'Ikambo a réputation de l'Ikambo. La réputation a plus de valeur que la perle. Mais il oublie que dans la Bible, là,
il y a un jeune homme qu'on appelle Joseph, dont on a gâché la réputation. Et viol. Et c'est le roman bien. Et, bakangolo sous ce viol, lutin. Oh, violez-moi si. Mais c'est ridicule. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est plus ridicule. Voilà qu'on a terni son casier judiciaire. Joseph Ozom Salawap. En prison. Mais Dieu Tout-Puissant l'a visité de nouveau. Premier ministre au même pays, dans le même royaume, Dieu l'a honoré. Lazare, malade, Dieu ne vient pas. Il meurt, Dieu ne vient pas. On l'enterre, Dieu n'est pas là. Il commence à pourrir, Dieu arrive maintenant. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que les raisonnements des hommes, là où les hommes sont limités, les dires des gens, les points de vue des uns et des autres, même ta propre raison ou bien ton propre raisonnement, diffèrent de loin et de très loin des capacités et des potentialités que regorge l'Éternel des armées. Dieu a des capacités surnaturelles. Ça dépasse notre entendement. Il est capable de te visiter n'importe quand et n'importe comment. Il est capable de te redonner la vie. Là où les gens ont dit que tu es mort définitivement. Il est capable de te restaurer. Là où les gens ont dit que ça ne peut pas marcher. J'aimerais que tu croyes à ce niveau-là. Que tu apprennes à croire dans cette dimension du Dieu capable de me visiter de nouveau. Même après des années. Même après des jours. Même après des mois. Même après que tout le monde ait un même langage disant « Insulte seulement Dieu et meurt. » Le Rédempteur de Job est capable de me visiter de nouveau. Et je prie que tel soit le résultat de notre prière d'aujourd'hui. Que chaque personne prenant part à cette séance de prière, selon que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse développer cela, que Dieu te fasse vivre aussi la dimension d'une nouvelle visitation. Ah, j'annonce à quelqu'un, après des moments et des années de pleurs, après des moments de stress et de frustration, Dieu essuiera tes larmes et il est prêt à te faire encore une histoire nouvelle et à tracer un nouveau chemin, à ouvrir de nouvelles portes, à ouvrir de nouvelles ouvertures, à ouvrir de nouvelles opportunités, à te visiter de nouveau. Et je déclare en tant que oint de l'Éternel que ce temps de visitation divine commence à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas là pour te dire amen encore. Tu as à toi de prendre ou à jeter. Mais moi, je dis amen à cette parole. Je la confesse et je l'écris dans le nom précieux de Jésus. Que cette parole de l'Écriture puisse prendre chair dans ma vie. Je le confesse et je le déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu capable de visiter de nouveau. Naomi pleure son mari. Elle perd son fils aîné. Elle perd son deuxième fils. Mais la Bible dit, elle a entendu que Dieu a encore visité son peuple. J'aimerais que tu dises à Dieu, papa, visite-moi de nouveau. Et l'okonigne si la katende konanga, nyon se si la ka. Après 430 ans de souffrance, les gens pouvaient dire Dieu a oublié Israël. En servitude, pendant 430 ans relais là, Dieu se souvient de son peuple. Ayou Tchafin, Abande Sorasik. Dieu se souvient de son peuple. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix pendant 2 à 3 minutes, que tu dises à l'Éternel, papa, les années de pleurs, les ténèbres, des maladies, l'opprobre et l'humiliation, des épreuves, des manquements, des humiliations. Seigneur, les années sont là. Mais je crois aujourd'hui dans cette dimension que me prêche ton serviteur, le pasteur Kalala. Je crois que tu es capable de me visiter aussi. C'est pourquoi je te prie de te souvenir de moi. Élève ta voix et dis à Dieu, Yahweh, souviens-toi de moi. Regarde aussi les ténèbres qui ont envahi ma vie. Regarde aussi les temps des pleurs qui ont pris du temps. Regarde également les difficultés et les zones de turbulence que je traverse.
Je te prie de me visiter de nouveau. Voilà que je commençais à perdre espoir. Je commençais à penser que le sourire ne viendra plus. Je commençais à croire que la gloire ne me visitera plus. Je commençais à croire que cette maladie me terrasserait. Les démons, les méchants, même dans des rêves, ils sont venus m'acculant et me faisant croire que j'échouerais, je mourrais, je ne réussirais plus, je n'avancerai plus, je ne me marierai plus, je n'aurai plus des enfants, je ne voyagerai plus. C'est fini pour moi à cause des raisons qu'ils ont présentées. Seigneur, je viens à toi, je viens encore croire, je place ma petite foi comme celle de Marie et de Marthe. Je viens encore passer ma petite foi en espérant en ta capacité de récupérer des choses que j'avais perdues et de me les rendre, de récupérer encore même ce qui avait déjà été enterré et de me les rendre. Je crois en toi dans la dimension du Dieu capable de ramener à l'existence les choses ayant cessé d'exister. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux lever ta voix pendant 2 à 3, 4 minutes? Tu dis à Dieu, Papa, je t'invite. Je viens placer ma foi. Je viens la confesser. Je me repens d'avoir douté. Je place ma foi. À travers ces temps d'exhortation, je replace ma confiance en toi. Je crois fermement. Je crois fermement. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel et Dieu Tout-Puissant, me voici devant ton trône. Seigneur, je sais que la maladie, Seigneur notre Dieu, m'a fait peur. Je crois encore au Dieu d'Abraham, que les manques et la disette m'ont fait peur. Je pensais que tu me laissais mourir, Seigneur, entre les mains de méchants qui m'ont balancé des maladies bizarres, des maladies incurables, qui m'ont mis dans des sérieux problèmes, des troubles dans les activités, dans mon travail, papa, dans ma santé, dans ma vie familiale, dans ma vie conjugale, père, même dans ma vie émotionnelle. Je reviens à toi, Seigneur, te dire merci pour ce message. Je crois fermement en ta capacité de ramener à l'existence même des choses qui ont été tuées, même des choses qui ont été détruites, même celles qui ont été enterrées. Seigneur, ils ont décidé d'enterrer la vie de ton fils ou de ta fille. Ils ont décidé d'enterrer mon foyer. Ils ont décidé d'enterrer ma destinée. Seigneur, mais je crois en toi, le Dieu capable d'aller fouiller dans les tombeaux et de ramener Lazare à la vie. Je viens monter des dimensions de foi. Je crois que tout ce qui avait été décrété, mort, que ce soit ma vie, ma santé, mon travail, mes affaires, mon ministère, mes entrailles, mes affaires, mes activités, tout ce qu'ils avaient programmé, enterré, ils ont signé, ils ont dit c'est fini. Père, moi je crois que ce n'est pas la fin. Parce que tu es le Dieu qui a le dernier mot, le Dieu de Lazare. Je viens t'adorer, je place ma foi en toi et je viens encore ouvrir une porte dans mon cœur pour mettre ma confiance en ta capacité de ramener à la vie tout ce que l'ennemi avait tué. On a tué le mariage, on a tué les finances, on a tué la spiritualité, on a tué la vie des prières, tout ce qui avait été enterré. Père, je viens encore t'ouvrir le cœur pour que tu les ramènes à la vie. Ensemble avec le bien-aimé, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'acclamons, le Dieu capable de ramener à l'existence les choses qui ont cessé d'exister. Père, le Dieu qui ressuscita Lazare, je crois en ta capacité de ressusciter les commerces, de ressusciter le mariage, de ressusciter la vie sentimentale, de ressusciter la vie du mariage, de ressusciter le ministère, de ressusciter les voyages de quelqu'un, de ressusciter l'amour et l'ambiance dans un foyer, de ressusciter l'affection d'un mari vis-à-vis de sa femme, de ressusciter les enfants qui étaient devenus impolis et de les ramener encore à la politesse. Tu es le Dieu capable de ramener à l'existence des choses qui ont cessé d'exister. Père, merci. Père éternel, merci. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau immolé de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que Dieu soit loué et qu'il te bénisse abondamment. J'étais en train de dire, daigne l'Éternel des armées te bénir. Merci Père. Écoutez-moi maintenant bien.
toutes choses. Il y a la part de Dieu, mais il y a également la part de l'homme. D'aucuns pensent que quand nous parlons du Dieu capable de ramener à la vie et de nous faire vivre des moments de gloire et de nouvelles visitations divines, certains pensent que toi tu vas croiser les mains et Dieu va tout faire. Et toi, il te donne seulement sur un plateau, allez prendre la visitation divine. C'est pas comme ça. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. En toute chose sur cette terre, il y a toujours la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et celle des hommes, mes amis. Il n'y a rien pour rien. Ah, rien pour rien, papa. Regarde bien. Il n'y a rien pour rien. Nous avons notre part à nous. Quand tu veux rentrer dans la dimension de vivre de nouveau la visitation de Dieu, tu as des actes à poser, des comportements à afficher ou à adapter, des attitudes à tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans la résurrection de Lazare, on a vu un certain nombre de comportements de la part de la famille bénéficiaire. Certes, la chair faisait, les faisait peur. Ils entraient un tout petit peu dans le désespoir. Mais on a vu la constance de la foi. On a vu la fermeté et l'attachement au maître dans le comportement de Marie et de Marthe. Après avoir reçu injure, insultes, etc., ces deux femmes sont restées fidèles au maître. La constance, on en a parlé il y a cela quelques jours. Atikali ngui libende abujate. La constance, on en a parlé comme les paralytiques à la piscine de Bethesda. Atikala stable. Et ça fait partie de la maturité dans la vie. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont restées fidèles à leur mari, même pendant des moments difficiles. Tu ne m'as pas saisi. Peut-être que tu n'es pas de ce genre. Si tu ne m'as pas bien saisi, je déclare et je dis que Dieu bénisse toutes les mamans qui, dans des moments difficiles, sont restées attachées à leur mari. Que Dieu bénisse tous les papas qui, dans des moments difficiles, sont restés attachés à leur femme. Que Dieu bénisse les fiancés qui sont restés également attachés. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs qui sont restés fidèles à leur leader. Chef d'entreprise, même pasteur dans des églises, dans des mouvements évangéliques. Que Dieu vous bénisse davantage. Il y a des attitudes pour que tu rentres, quand Dieu est dans le processus déjà pour vivre la nouvelle visitation de Dieu, tu dois également avoir des attitudes. Tu dois être qualifié. C'est pourquoi Dieu prépare les cœurs de personnes qu'il veut responsabiliser. Il prépare les cœurs. Il envoie Josué aller vivre les réalités des Canaan. Qu'il comprenne que la vie est un combat. Dieu a promis la nouvelle visitation. Des moments de gloire, Canaan est là. Mais il faut savoir qu'avant d'entrer dans Canaan, vous allez rencontrer les bœufs. Qui dit bœuf, dit travail. On ne peut pas extraire le lait du bœuf, d'une vache en toute facilité. C'est la vie ou la mort. Qui ne risque rien, n'a rien. Chrétien, il apprend à Josué que c'est à toi de prendre la relève de la conduite de mon peuple. Il faut être capable d'affronter les abeilles. Dans Cana, c'est la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Or, pour goûter au miel, il faut affronter les abeilles. Il faut avoir une attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi maintenant la Bible dit, après qu'elle ait été informée, qu'elle soit informée, voudrais-je dire, que Dieu a visité son peuple à Bethléem et Fata, Naomi se leva
pour aller. C'est-à-dire, elle pose des actes. Azo tellement, puis azo compte en action. Elle est en mouvement. Elle se décide premièrement, et puis elle se déplace azo compte en mouvement. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de naïfs. Dieu n'est pas un Dieu de personnes, bien-aimés Seigneur, sans position, sans action. Anzamba balembelete. Anzamba bato baza en mouvement pe en action. Elle se décide d'aller, de repartir pour rentrer dans la gloire. Mais avant de repartir, elle était toujours là avec des femmes pleureuses. On n'a pas vu Naomi poser des conditions à ses belles filles pour qu'elles fassent partie de l'association des femmes pleureuses. Elles ont pleuré des années et des années. Elles ont pleuré. Il n'y avait pas de conditions. Mais quand c'est la terre de la visitation de son Dieu, maman, papa, le temps de la visitation de Dieu dans ta vie est en train de sonner. Apprends à sélectionner des amis, des personnes qui vont t'accompagner dans la terre de la gloire. Il faut avoir une attitude. Il y a des personnes que tu dois balayer ou balayer dans le parcours. Il y a des femmes et des hommes que tu dois virer. Parce que Dieu te fait rentrer dans une nouvelle saison de gloire. Et dans cette saison de gloire, si tu fais rentrer n'importe qui, tu ne vas pas vivre longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Moutozo Mema Oyo. A supporter tes gloires en Zambé, na 4-4 na vie na yo, à Abomo avant le Kola Kayen. Hé Abel, tu veux faire une offrande à Dieu? Kozana Kayen Pembenitin, à Abomout, à Kokate, et au Lekelaye, et à mon offrande des omata, mon lingane des omata vert, ya yezo baluka baluke zo binabina, à Oyina yo. C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. Apprends à faire le checking. Il y a un certain nombre de comportements, une certaine liste d'attitudes à afficher. Il y a des actes à poser avant de rentrer dans la nouvelle gloire. Quand tu sens l'odeur de la gloire arriver, sélectionne l'entourage. Landa documentaire, tout clip, y a frère Patrice. Landa clip, y a frère pasteur Mike Alambay, tout pasteur Patrice. Bon. Pasteur, ce sont nos frères, ce sont des pasteurs, on accepte. Ce sont nos pasteurs, appelons comme ça. T'as raté, mais ça n'est moins mignon. Depuis des années, frère Patrice, frère Mike, pasteur Mike Alambay, des hommes de Dieu que je respecte beaucoup. T'as la clipouana, Nokwa Utimboka, l'oncle qui revient du village. Mes amis. Il arrive chez le neveu, il regarde comme ça, une salle climatisée, un salon bien, des véhicules, etc. Il n'a pas supporté la gloire. Il a convoité la place du neveu. Nabomaye, on a récupéré. Les accompagnateurs, quand Dieu est sur le point de te visiter, il faut faire la sélection des personnes qui sont tout autour de toi. Je suis en train de sentir l'odeur de la bénédiction de Dieu devant toi. Je sens le vent de la bénédiction de Dieu approcher. Mais quand Dieu regarde des personnes qui t'entourent, peut-être c'est la raison pour laquelle il retarde encore un tout petit peu. Baramasi. Je vous ai toujours dit plusieurs fois, si Jésus-Christ est lui-même, notre Seigneur et Sauveur, pouvait rejeter et refuser les gens dans son équipe, c'était pour une raison. Yaya. Banda ko checker ba attitude ba tozarana bango. Tu regardes à côté. Quand tu achètes ne fût-ce qu'une petite belle voiture. Osomini mikolo yo. Osomi Cherokee. Ah yo osomi Range Rover. Moi Range Rover nouveau modèle au Josombana. Otal muninga. C'est ma voiture. Ah. Tu achètes à combien?
ceux qui ne sont pas tes amis, ils t'ont vu pour la première fois. La première question, c'était laquelle? Oh, à qui est cette belle voiture? Mais ton ami intime, il n'apprécie pas. Elle ne réagit pas. Elle ne manifeste au effet aucun signe de joie. Et tu lis dans son visage le mécontentement. Yaya, sache-le, que ce qui est dans son cœur est le pire ou le double, voire même le quadruple de ce qu'il t'a montré par son visage ou sa physionomie. Ah, au pasteur à la terre qui t'est. Yango nazote yayo. Je te prêche pour préparer ton cœur. Naomi commence à faire le checking parce qu'elle sait que côté Tozo Kende, on va rencontrer des grands messieurs comme Boaz. Et comme je repars là-bas, je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfant, alors je dois être rassuré de la ceinture rapprochée des personnes qui me sont proches. Il faut que j'en sois rassuré. Parce que c'est la dernière occasion. La gloire de la deuxième maison, la deuxième visitation, a toujours été plus grande que la première. Maman, au père de Bokajou Mbélin, il y a un peu Kebana bimima mema. Petite dit la quoi petite mon baba a accompagné yo. Oh kenda accompagné ya na yo. Nous ne sommes pas nombreux. J'aurai le temps pour nettoyer 3-4 assiettes. Quand même, je suis moi et mon mari. On n'aura pas 20 assiettes à nettoyer par jour. Si on peut avoir 2 verres, on peut avoir si c'est 3 plats, bien 2 plats, si c'est trop, c'est 3 plats. C'est qu'on peut avoir 4 à 5 assiettes ou 6, pas plus de 15 quand même. Et je suis assez forte pour faire la vaisselle. Donc, ce n'est pas le moment. Ils viendront me rendre visite, mais pour le moment, laissez-moi d'abord jouir, moi et maman et mon mari. Expérience à l'obété Ayo. Naomi voulait se rassurer de quel type de personne je me ferai entourer dans la terre de la visitation. Abandi checking. Ne donne plus accès à n'importe qui dans ta zone rapprochée, maman. Zala musika na batumisus na vie. J'ai suivi une servante de Dieu qui disait, elle a des relations qui rentrent des personnes avec qui elle cause dans la rue. Moi, je peux même l'aider à aller plus loin parce qu'elle presse sur les nets. Il y a des gens qui appellent maman Intel sur Facebook, sur YouTube, etc., WhatsApp, des amis du média. Il y a de ceux-là qui sont avec elle à l'église où elle prie. Ils peuvent se rencontrer à l'église. Il y a des amis du travail. Il y a également d'autres qui sont là-bas dans les réseaux sociaux, au travail, à l'église, partout, mais qui ont la capacité, qui ont l'accès dans sa parcelle. Il y a d'autres qui ont l'accès au salon. Il y en a également d'autres qui ont l'accès à la cuisine. Mais elle dit ceci, dans sa chambre à coucher, c'est elle et son mari, et voire même les enfants. Au cause de l'osara, pire. Mais la chambre na yo yebite sera chaka oreille à couleur nini sera changé de rendez nini. C'est la haute sagesse de la vie. Surtout quand l'invitation de Dieu arrive. Ah, oko benda mutu pembeni, mutema mabe. A supporter tes gloires na yo et au précipité du roi. Que tel ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'aide à comprendre l'exhortation de ce matin. Et qu'il t'aide à te comporter en conséquent. Abel Soroye Baka, l'ongome Mayaya Kayen Tenabilanga. Kayen, il fallait être là-bas parents. Que tu ailles adorer seul. Que Dieu approuve ton offrande en l'absence de Kayen. Tu vivrais longtemps. Malheureusement pour lui, il a élevé l'offrande en présence de son frère. Il n'a pas pu supporter la gloire du jeune. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'était une conséquence fâcheuse. Que tel ne soit pas ton partage, papa.
que tel ne soit pas ton partage. Sélectionne des personnes. Elle va décourager Zilpa. Zilpa va rester. Zilpa n'était pas compétente. Zilpa est accrochée à la terre natale, au Dieu de ses pères. Il fallait faire le checking et trouver les cœurs qui seraient capables de s'attacher. De s'attacher à elle. Et cette fille à la personne de Ruth fait une déclaration. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu dors affamé, je dors affamé. Naomi a sélectionné parce qu'elle savait que nous entrons dans la gloire. Dans la gloire, on n'entre pas avec n'importe qui. Je parle à une maman. Après toutes ces années de pleurs, tu as eu des déceptions sur déceptions. Les hommes se sont joués de toi. Tu en as changé de toutes les couleurs. Ceux qui sont venus découvrir ton corps, ta nudité, sont là, ils sont partis. Des hommes qu'on appelle des testeurs des femmes. Tu en as connu de toutes les couleurs. Maintenant, je t'annonce le temps de la visitation de Dieu. Alors, il faut savoir qui amener dans cette gloire. Dieu veut te faire rire. Nous avons dit qu'il y a beaucoup. Ah, ne permet pas n'importe qui de venir gâcher cette dernière chance. C'est ça l'attitude de Naomi. Que quelqu'un lève sa voix pour dire, je ne permettrai pas quelqu'un à n'importe qui de venir encore gâcher ma bénédiction. Personne. Est-ce que tu peux dire à Dieu, personne. Crie plus fort. Personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça va nzombo le soir. Les visitations de la fin. Les nouvelles visitations divines. On les prend au sérieux. C'est des bénédictions qu'on acquiert dans la sagesse. Après des expériences, des chocs, des coups bas, des trahisons, de mépris et de dédain. Il faut zomayele. Mouto zomayele mbalamon la vie. Naomi Azumayele. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des temps de visitation arrivent. Et ça nous demande des attitudes à afficher. Voilà que Jésus-Christ revient. Ils vont ensemble. Où est-ce? À Béthanie. Il va rencontrer Marie et Marthe. On a vu la constance dans Marie et dans Marthe. Tu connais les paralytiques à la piscine de Bethesda? Quand Jésus arrive, il lui a demandé quoi? Il lui a dit, tu pleures trop, il n'y a personne. Mais dans l'entretemps, tu n'as pas Dieu pour savoir localiser le lit. Le lit a toujours été avec toi depuis 38 ans, ce lit-là. Pourquoi tu n'as pas le temps pour parler du lit? Tu as toujours les yeux tournés vers ce que tu manques. Quand tu veux rentrer dans cette visitation divine, quand Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle gloire, il faut que tu aies également la capacité de reconnaître des personnes qui te sont fidèles. Celles qui ne t'ont pas abandonné. Celles qui n'ont jamais changé de langage ni d'attitude vis-à-vis de toi. Malheureusement, nous les hommes, on a toujours tendance à regarder le côté négatif des gens. Ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui nous ont trahis. De nos bouches, il n'y a que ce genre de confessions. Moi, je suis victime de trahison. Mon pasteur m'a fait du mal. Mais on a très peu de temps pour avoir les regards braqués sur le lit qui nous est resté fidèle. Je parle des attitudes quand la nouvelle visitation de Dieu est sur le point d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler des attitudes à afficher. Je vous ai dit, en toute chose, il y a la part de Dieu et également celle de l'homme. Paralytique à la piscine de Bethesda, regarde un peu le lit
L'Élie, ça peut être un ami aussi. Asundolo, tu n'attends pas. Voilà pourquoi tout le monde pouvait critiquer les corbeaux en Israël, animal impur. Mais il y avait un homme en la personne du prophète Élie qui pouvait regarder tout le corps noir du corbeau, mais lui pouvait voir la tache blanche au niveau de la gorge du corbeau. Nazolo banayo, yana mobali nayo, ba finge maram nyonso, mais yo, osa témoin, ni leur moka bien à salaï. Tout le monde peut insulter ta femme, mais toi tu peux te souvenir de la tache blanche. Et à cause de cette tâche, tu peux t'accrocher. Ah, maman, tu peux encore donner la chance à quelqu'un. Malgré ses imperfections, mais tu te souviens de la tâche noire. Élie, tu ne pouvais pas parler du mal du corbeau à la présence du prophète Élie. Et Nakimaka Jézabel, Nakimaka Epaka, j'étais dans les torrents. Un seul animal est venu me nourrir pendant plus d'une semaine. On l'appelait corbeau. Ah, qu'il n'y a pas Damas. Parce que le corbeau, c'est un voleur réputé. Posez la question à la poule. Combien n'a ce soir en arrêté? La poule vous dira, quand la poule voit le corbeau passer, l'ombre du corbeau, directement, elle fait, la poule fait ce qu'on appelle par l'instinct d'intimidation. En vimbissima salanaye, Alex Gazam, Nenazamakas. Elle a des souvenirs. Baï baï bana soso. On lui a piqué des poussins. Mais le corbeau, c'est un animal qu'on appelle sauvetage dans la mémoire du prophète Élie. Quelque chose de sans, de moins de valeur, de moins valeureux, bien aimé Seigneur, auprès des hommes. Mais Dieu peut faire que la chose-là soit utile. Voilà que la femme qui va accompagner Naomi de Moab jusqu'à la terre de la visitation, ce n'est pas une femme juive, une femme moabite. Moab, terre à la prostituée. Moab, terre à la père, terre à la couffée de l'animal. Moab, père, terre à la malédiction. Moab, terre à la prostasie, terre à la baignance, à la kati. Mais c'est cette femme-là qui va l'accompagner. C'est pourquoi, maman, papa, dans cette nouvelle dimension où Dieu veut te visiter, il faut travailler avec beaucoup de sagesse. Sois beaucoup plus sensible à la révélation et à la voix de Dieu. Ne parlez pas comme tout le monde. Aie ta propre expérience. Que des moments difficiles, des moments de solitude, des moments de pleurs, que ça puisse te forger et que ça te donne certaines valeurs. Que tu comprennes des choses, que tu aies ta façon de voir les réalités de la vie. Ne parlez pas le même langage que tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne parle pas le même langage que tout le monde. Parce que c'est toi que Dieu a choisi de vivre cette nouvelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de préparer le cœur d'une maman et d'un papa. Parce que je suis en train de sentir l'odeur de la gloire devant un enfant de Dieu. Tu es là, tu me donnes amen très bien. Que ces paroles prennent chair dans vos vies. Hein, que Dieu te localise, maman. Tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Côte d'Ivoire, tu es, je ne sais pas où tu es, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu te localise, mon frère. Partout tu te retrouves en ce net moment. Si tu reçois ces paroles avec foi, que le Dieu Tout-Puissant t'édifie. Attention, je risque de transformer cette séance en séance d'enseignement et de prédication, alors que nous sommes dans une séance de prière. C'est pourquoi je te prie de dire à Dieu: Père éternel, fais tomber les écailles de mes yeux. Que les écailles tombent. Que je ne voie pas les gens comme tout le monde. Que je ne confonde pas Zilpa des Ruth. Aide-moi à séparer Ruth des Zilpa. Que je sois capable de me déconnecter des Zilpa et de m'attacher à Ruth. Quelqu'un qui me permettra d'avancer sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de dérangements et de troubles, sans agitation dans ma saison de gloire. Aide-moi à me débarrasser de Caïn, quelqu'un jaloux qui ne pourra pas supporter la nouvelle saison de gloire. Père, fais tomber les écailles, que je sois capable de voir clair et distinctement
Ça, c'est Ruth. Et ça, c'est Zilpa. Donne-moi la capacité de faire le triage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Et tu commences à prier pour dire à Dieu ces choses. Que ta part à toi, tu ne la rates pas. Tu vas prier, ça c'est le premier sujet des prières. Par rapport à l'attitude de nous autres qui voulons vivre maintenant la gloire, Jésus nous recommande certaines attitudes à afficher. Première attitude, la capacité de faire le triage, de sélectionner des accompagnateurs de destinée. Élie pose une condition difficile à Élisée. Il dit, tu vas avoir la double portion de mon onction. Toi là, il faut que tu sois capable d'abord de supporter mon enlèvement dans les tourbillons. Ce n'est pas quelque chose de facile. Yondem tu n'importe quelle facilité va tout vite trop. Ou échoua qui l'ibosso, parce que tu as qui n'importe qui dans l'autre. Yambalo, ça n'a moins distance. Ah, que Dieu bénisse les Américains. Un mètre. Hein? Social distance, wana. Et ça est très important. N'aimez pas n'importe qui sur ton corps. Voilà pourquoi tu vas pleurer. Tu vas perdre ton mari, tu vas perdre tes enfants. Comme Naomi. Mais le jour, elle a compris que je dois séparer Zilpa des Ruth. C'est pas n'importe qui doit placer ses pieds dans la terre de la visitation. Bien-aimé, sa destinée était transformée en destinée de gloire et une gloire éternelle. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Balayer ba makolo ba tumsusu. Ezana ba misala na yo. Ezana ba masolo na yo. Ezana muziki. Pona pe muziki okende. Yo mtoke na muziki tilelo. Pona pe muziki yango. Musique, il y a musique, il y a une musique, musique. Mon frère et ma soeur, choisis, fais un triage. Zilpa doit rester à Moab, dans la terre de gloire, on entre avec Ruth. Ruth a un bon cœur. Ruth sait partager. Ruth peut comprendre que la vie, elle est faite de compléments. C'est une vie de complémentarité. J'ai la force d'aller glaner celle que ma belle-mère n'a plus. Et quand on me donne la nourriture là-bas, je dois songer à la vieille. Elle a compris cela. Tant que je suis dans zone de ma place, je suis dans la zone de ma place. Je suis dans la zone de ma place. C'est ça des personnes auxquelles tu dois t'attacher dans la gloire. J'ai dit, il y a une attitude affichée. Prie maintenant, parce que tu veux vivre la nouvelle saison de gloire. Dis à Dieu que les écailles tombent de mes yeux. Aide-moi à différencier Ruth de Zilpa. Élève ta voix, commence à prier. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier. Ce n'est pas tous les membres de famille. Parce que vous êtes ma maman, mon papa, mon corps. Il ne faut pas partager ma réunion. Que Dieu t'aide pendant ces moments de difficulté. Avec qui tu peux travailler, qui tu peux associer dans ce que tu fais. Élève ta voix, commence à prier. Éternel Dieu des armées, nous nous rapprochons de ton trône, te demandant une chose. Fais tomber les écailles de nos yeux dans les noms puissants de Jésus. Fais tomber les écailles de nos yeux dans les noms précieux de Jésus. Dieu Tout-Puissant, qu'on soit capable de faire la part des choses en ce qui concerne notre part à nous. Donne-moi la grâce et les compétences de bien vouloir séparer, différencier et discerner les cœurs des Zilpa du cœur des Ruth. Que je sois capable de séparer ces deux belles filles. Père, que je fasse la sélection, le checking, le nettoyage et le triage de mon entourage. Que ce soit dans ma famille, que ce soit parmi les amis, que ce soit parmi les collaborateurs. Yahweh, aide tout un chacun qui te prie de tout cœur, que tu affectes sa foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à comprendre, Seigneur, à nous attacher aux personnes qui vont nous faciliter la tâche dans cette nouvelle saison. Je sais que c'est la dernière chance que tu nous donnes, la chance de la visitation, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle ambiance dans le mariage, de nouveaux enfants, Seigneur, d'un nouveau travail, de nouvelles activités, de nouvelles relations. Papa, de nouvelles connexions sont là, mais avec qui nous allons partager cela? Père, aide-nous. Aide-nous à faire la part des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète cette phrase. Si Jésus-Christ qui était amour, en dépit du fait que lui-même soit amour, il a fait le triage dans sa vie.
en ce qui concerne les collaborateurs, a fortiori nous autres, les bois secs. Lui, les bois verts, il n'a pas accepté n'importe qui dans son équipe. Lisez dans la parole de Dieu, il chassait d'autres. Nous avons dit que nous avons dit maître, nous avons dit que nous avons disciple. Arrêtez. Pardon. Toi là, va d'abord pleurer. Il y a deux chez vous là-bas. Tu vois, ma tante Sidonie, elle a perdu son fils, non? C'est ton cousin. Elle va d'abord pleurer là-bas. Laisse-moi tranquille faire les affaires de mon père. C'était pas la méchanceté. C'est la haute sagesse de la vie. Jésus-Christ nous apprend sa vie sur cette terre. C'est une leçon. Dans tout ce qu'il a posé comme acte sur cette terre, ça doit nous servir de leçon. Le bas leçon. Leçon. Vous en comprenez? Ok, bien? Ok. Écoutez, femme, des beaux tambours. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Partagez. Aïe. Biloko et bana bat basoli atteint. Kabola biloko yaya. Partage dans les groupes. Partage sur WhatsApp, partage sur Facebook. Partage dans tous les groupes des réseaux sociaux. Ah, merci. Toi qui cliques sur j'aime, tu me rassures qu'effectivement, vous êtes là et vous encouragez l'homme de Dieu à avancer. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse, Richard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Troisième ou quatrième sujet de prière. Nous allons prier par rapport à Jean chapitre 5. Après des moments de souffrance, après avoir vécu des moments difficiles, des moments de solitude, très souvent les gens deviennent rancuniers. Regarde très bien dans la vie. Des personnes qui échouent, c'est-à-dire que la vie est devenue compliquée, tout ce qu'ils font ne marche pas. Dans la plupart des cas, elles deviennent des personnes à problème. Comment compliquer ma vie? Faites attention même quand vous parlez avec elle, vous dialoguez. En debout, tout cas, va m'en comprendre partout. Il va commencer à te créer des problèmes dans toutes les phrases. Donc quand tu veux même prononcer une phrase à côté d'une personne comme ça là, qui galère, qui traverse des moments difficiles, dont tout est noir dans la vie, il traverse vraiment la vallée des Baca. Il faut faire attention quand tu négocies, même quand tu causes. En debout, tout cas, va m'en partout. C'est quand, même si tu veux rire là, il pense que tu te moques de lui. Tu peux prononcer une phrase, lui va interpréter ça seulement d'une autre manière. Il ne faut pas les en vouloir. Hein. Très souvent, elles sont blessées au-dedans d'elles. Elles commencent à voir la haine partout et les dangers partout. Mais il faut savoir maintenant vivre avec de telles personnes. Hein, vie est sage. On a vu mon bois à ta vie. Il faut que tu aies un héros. Comment monter ma mabé? Et ils tordent toujours les sens. Même quand tu dis quelque chose de bien, ils ont toujours tendance à compliquer. À là, tu as un peu de caca. Il faut comprendre là-bas. Mais écoutez maintenant ce que Jésus recommande aux paralytiques, à la bétine de Bethesda. Quand il cause avec lui, Jésus ressent que dans le cœur du paralytique, il y a la rancune. Son cœur est blessé. Ses papas l'ont été blessés de cœur. Il a la haine de tous ceux qui sont partis. Or, ceux qui étaient partis n'avaient pas tort. Je vous ai toujours dit, moi aussi à leur place, je partirai. Et il y a 38 ans, n'a pas de la ramalade. Mais vu mon bimbo, il est quitté. Jésus-Christ devait soigner le cœur de ce paralytique pour lui dire que dans la nouvelle gloire, dans la visitation de Dieu,
quand Dieu veut te visiter de nouveau, quand on dit que 38 ans de maladie, cela veut dire qu'il n'était pas comme ça, il n'était pas né comme ça. Donc, il y a une situation où il y a la qui est la vie. Sinon, on aurait pu dire le paralytique des naissances. On parle de 38 ans de durée de maladie. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'avant, il était normal. Ou bien depuis la naissance. Mais on ne dit pas de naissance. On dit des situations, c'est circonstanciel. Donc, Jésus veut maintenant lui donner une nouvelle gloire. Mais Jésus ne veut pas lui donner cette gloire en le laissant avec ce langage-là. Or, quand on parle du langage, la parole, c'est l'expression du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, Jésus voulait d'abord soigner l'être intérieur de la personne pour qu'elle ait la gloire. A kota tena image karake, batuba ningarangate, batuba sundolanga. Les gens ne m'aiment pas. Les gens m'ont délaissé. Ça dit que tu ne continues pas comme ça à être rancunier ou rancunière. Jésus voulait lui dire que s'il y a des gens qui t'ont abandonné, ne t'occupe pas d'eux. Mais occupe-toi et concentre-toi plutôt sur les lits qui te prend en charge et qui t'a supporté. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Yaya, s'il y a des personnes qui t'ont rejeté, ne t'occupe pas d'elles. Fonde ton monde à toi avec ceux qui croient en toi. On a chassé Jephté par ses frères. Jephté est allé. Il a trouvé des gens de rien. Ces gens de rien, c'est-à-dire les pauvres, ces gens-là l'ont accepté. Ils ont formé leur monde à eux. Des personnes rejetées, des personnes pauvres. Et ils se sont battus. Dieu a fait qu'ils deviennent forts. Ma soeur et mon frère, ne perds plus ton temps. Ça, c'est la deuxième ou troisième attitude que tu dois afficher pour rentrer dans la gloire de Dieu. Ne perds plus ton temps à se faire des soucis à cause des personnes qui t'ont abandonné, à cause des personnes qui t'ont fui, à cause des personnes qui t'ont jeté dans la galère, à cause des personnes qui t'ont abandonné dans les moments difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une perte de temps, c'est du gâchis. Je t'interdis avec un grand N. Non. Ah, comme elle a non, Koyaya. Comme appena non, mon nene, mon azo, comme elle a gagné. Non, plus jamais ça. Mon toi là qui chauffasse, qui a abandonné, on attend, on passe. Bossa na yé na vie. C'est ce que Jésus est en train d'apprendre aux paralytiques. Ceux qui t'ont abandonné ici à la piscine, tcha croix, bois qui s'appelle bango. Malheureusement, beaucoup de gens, mon azo, les satan na yé, bat balimi na bango yote, mon qui n'a pas volé là. Aux amis, ça n'a pas souci. À cause de Yajam Roboye, Yaya vieux mort, Georges, à cause de Yaya Nan Soussou. Fiancé, non, il est comme les nains. Il y a Nani, il y a JP. Il y a Zola, il y a gastrite. Il y a JP, il y a la bibi. Il est dans l'ambiance. Il est dans l'hôtel des 5 étoiles. Il est là-bas, il est à Dubaï, il est en Chine, il est à l'aise. C'est toi qui vas faire crise de tension. Oh, oufa. Jésus lui dit, Yaya, ils t'ont abandonné, abandonne-les. Il fait la vie avec les femmes là-bas. Toi, oublie-les. Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-toi. Jephté, tes frères t'ont abandonné, t'ont rejeté. Avec les gens derrière là, forme un nouveau monde à toi. Et moi, je te soutiendrai. Jésus dit au paralytique à la piscine de Bethesda, au moins, si les hommes t'ont quitté et que les lits te considèrent, considère les lits. Ah, que Dieu bénisse certains Américains que je vois ici là. Tu n'es pas là-bas, non, 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 s'il y a des personnes qui te détestent, regarde, ne te fais plus de la peine à cause du fait que les gens ne t'aiment pas. Eh, papa, va l'inga, on va l'inga, on va l'inga, aussi là. Ce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous de l'affection, c'est là. Kende na 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 boucherie sombele musunya munene la mela ya lia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'attitude adoptée dans cette nouvelle saison de gloire. Marche avec ceux qui t'aiment. Avance avec ceux qui croient en toi. Avance avec ceux qui t'ont supporté dans les moments difficiles. Avance avec ceux qui ne t'ont pas relâché, qui ne t'ont pas calomnié, qui ont cru en toi malgré les pertes, malgré les manquements, malgré les disettes. Ceux qui te sont fidèles, marche avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Naomi a compris que cette fille a accepté
le prix. Elle a pris les risques. Moi, une vieille maman comme ça, on va faire le pied avec elle jusqu'à ma terre natale. Elle a accepté, même si je tombais malade, elle va me supporter. Même si je faisais ceci, j'ai piqué une crise en cours de route, elle va prendre les risques. Et on peut nous attaquer par les braqueurs, les agresseurs. Elle a accepté les risques. Vraiment, une personne du troisième âge comme ça, comme moi, elle va m'accompagner. Non, c'est une personne bien. Yaya, comme une bombe, je suis pour la vie de la vie. Tu es libre de ne pas m'aimer, de ne pas m'haïr, de m'accepter. Tu es libre de me fuir. Fuis. Je reste avec le lit. Le lit qui me supporte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les prophètes Joël Francis qui dit quelque chose. Lui, il parle et dit Dieu lui-même dans, au ciel là-bas, quel péché il avait commis pour que Satan puisse chercher à te faire coup d'état. Satan, le moins dans l'eau là-bas, ange, me soubati kala. Azomwa, moi, un tiers naïa qui t'a dans mon amabela. Coup d'état, penza, menza, matrala, nzambé. Il est resté avec les anges, les archanges Gabriel, les archanges Michael. Prophète Francis, tu as tout nzamba mon ayo, pesenga, c'est comme ça là, la vie. Jésus-Christ parle au paralytique à la piscine de Bethesda. Il lui dit, Yaya, tika ba phrase wana. Moi, je te parle de la visitation qui va t'arriver. Et toi, tu me parles de ceux qui t'ont quitté. Bosanabango. Si étant quitté, il y a quand même un lit ici. Un lit ici là. Qui ne t'a jamais quitté. Vis avec ce lit-là. Prends-le, ne l'abandonne pas aussi. Le temps nous fait défendre contre d'arrêter. Vous savez que je n'ai pas traîné, mais voilà qu'on commence à attendre vers 2h. On va s'arrêter là. Prie et demande à Dieu. Yahweh, aide-moi à ne jamais oublier ceux qui m'ont accepté dans les temps difficiles. Aide-moi à rester accro à celle qui a accepté le risque. Que ma natte, mon lit, je n'oublie jamais. Et si hier tu avais l'habitude d'oublier facilement des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont accompagné, pendant que tous t'avaient rejeté, change d'attitude aujourd'hui. Encore une attitude à adopter pour rentrer dans cette nouvelle gloire. Aie les yeux maintenant ouverts pour localiser le lit. Qui constitue le lit pour toi? Ça peut être un frère, ça peut être une amie. Je ne suis pas en train de dire, écoutez bien, j'insiste, à ne pas confondre avec des personnes qui t'acceptent quand tu es dans la souffrance. Parce que c'est tout le monde qui peut t'accepter quand tu es dans la souffrance. Mais juste, je parle des personnes qui t'acceptent quand tu es dans la baisse ou dans la chute. Et nous sommes dans nos pauvres, nous sommes dans la vie. Souvent, ma prière, nous sommes nos pauvres, nous sommes ma casse en Zambé. Eh non, c'est un serviteur de Dieu. Ah, il est de Dieu. Quand Dieu te bénit, les gens vont bouder. C'est différent des personnes dont je parle. Ici, je parle des personnes qui t'acceptent dans ta chute. C'est-à-dire que nous avons la gloire, ma mon arayo, au Bethéli, ma monio, et ma tikiote. C'est différent. Parce que les personnes peuvent t'accepter. Quand on dit qu'on reconnaît les frères amis le jour du malheur, bien aimé, on reconnaît aussi les frères amis le jour de la gloire. Il y a des personnes qui t'acceptent. Tu es vrai quand tu es pauvre. Mais quand Dieu te bénit, il commence à changer de langage. Tantôt tu es magicien. Tantôt tu as sacrifié ta femme. Tu as sacrifié tes enfants. Tu as sacrifié ton mari pour être là. Tu as sacrifié la famille. Tes frères sont morts parce que toi tu as sacrifié. Donc on t'accepte quand tu es pauvre. Mais quand tu es élevé, on te rejette. Non, ce ne sont pas ces genres de personnes. Ça, ce n'est pas le lit. Le lit, c'est celui qui te reconnaît. Pendant que tu tombes malade, tu tombes sur lui. Il t'a vu debout, il te voit dormir, alité. C'est-à-dire, il t'a vu, tu étais d'abord debout. Et tu es tombé, il t'accepte. Il ne t'abandonne pas pendant tous les 38 ans. Et ce n'est pas n'importe qui. Bah, toi, bon, bon, yaya. Si tu as des hommes qui t'ont supporté, qui t'ont accepté,
pendant tes faiblesses, pendant tes, avec tous les on appelle ça vraiment les crachats et autres, on doit sentir vraiment la bilamba. Parce que nous avons été sous 48 ans, comme ça n'a pas monté la vie. On va prier et s'arrêter par là. On va continuer dans des jours à venir. Mon frère, tu vas prier maintenant, dire à Dieu, papa, que les écailles tombent de mes yeux. Que je n'ai pas toujours les yeux braqués sur les gens qui m'ont déçu. Que de ma bouche, je ne sorte pas toujours des propos selon lesquels m'abandonner Ngaï, on m'a trahi, un jeune homme a fait ceci, qui encore Patrick m'a déçu. Non. Non. Mais que j'ai également les yeux braqués sur le lit qui ne m'a jamais abandonné. Que j'ai un témoignage pour dire, mon fils un tel m'a toujours soutenu. Ma fille un tel a toujours été avec moi. Mon frère un tel, non, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi. Quand j'ai suivi les funérailles du patriarche, le père du pasteur Moïse Mbillé, l'apôtre Mbillé, le feu, j'ai suivi des hommes de Dieu témoigner des bonnes choses. Je me dis, ah, s'il pouvait également témoigner quand il était encore vivant comme ça, ça serait une très bonne chose. Tu sens que les personnes disent, quand j'étais en difficulté, il m'a aidé. Quand j'étais en difficulté, il m'a soutenu. Il était toujours là pour faire du bien aux gens. Tu sens que c'est tout le monde qui avait le même langage. J'ai dit gloire au Seigneur. Si on peut reconnaître des gens comme ça, même pendant qu'ils sont encore vivants, ça serait une très bonne chose. Je prie que les yeux qui ont été ouverts aux yeux de ces pères-là, que ces yeux-là s'ouvrent aussi. Que tu sois capable de regarder dans ta famille et de te souvenir des gens qui ne t'ont jamais abandonné. Que tu regardes dans tout autour de toi, que tu te souviennes des personnes qui ne t'ont jamais abandonné. Il y a un lit quelque part que tu dois relever parce que la saison de gloire arrive. Est-ce que tu peux prier? Père éternel, nous prions maintenant avec mes frères et sœurs. Yahweh, très souvent l'ennemi vient nous faire contempler que des déceptions. Les méchants, l'ennemi vient nous faire contempler que des blessures. Il vient nous faire voir la liste des ingrats, la liste des méchants, la liste des infidèles, la liste des personnes à double face. Mais on n'a pas Dieu pour localiser le lit qui ne nous a jamais abandonné. Mais parmi les dispositions que tu nous recommandes pendant ce service, je te prie d'ouvrir mes yeux. Illumine les yeux de ma soeur et de mon frère. Illumine mes yeux. Que je sois capable de voir avec facilité et avec précision le lit qui n'est pas loin. Que de ma bouche, je ne sorte pas seulement des propos de regret. Des propos on appelle ça comment? Des propos de murmures, des lamentations et d'inquiétudes. Au sujet de ceux qui auraient pu me rendre service, mais qui m'auraient abandonné. Mais que de ma bouche, je rende témoignage du lit. Je reçois la leçon. Je reçois cette leçon ce matin. Que j'ai les yeux braqués sur le lit. Le lit qui ne m'a jamais quitté. Donc, ce n'est pas tout le monde qui me quittera. Il y aura toujours le lit quelque part. Aide-moi à me souvenir du lit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que les chefs des échansons, arrivés dans la primature, dans la présence du roi, ils se souviennent du lit à la personne de Joseph. Quand il y a une situation difficile qui se pose, il dit, roi, pardon, je prends les risques de te rappeler mon infraction d'hier pour laquelle tu m'as jeté en prison. Mais là en prison, j'ai croisé le lit, quelqu'un qui était bien avec moi. Il m'a interprété un songe. Après 3 jours, la chose s'est accomplie. Je pense que par rapport à la situation que tu as, cet ami-là, le lit-là, peut quand même te rendre service. Ah, les bonnes relations, Yaya. C'est à lui qu'il va parler de Joseph. Et Joseph va venir. On lui fait venir. Les bonnes relations peuvent également te faire rentrer dans la saison de gloire. En prison, Joseph n'a pas critiqué les chefs des échansons. Ah, Akenda Koutou Abosanana. Eh, Akenda Koutou, na sakola pona yawa, na sakola koutou pona ye. C'est pourquoi je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à développer ces cœurs-là. Nous, on n'a pas si passé qu'à la banane, on s'est plaindre. Un tel koutou boy na boy, un tel koutou boy na boy.
quand je donne certains exemples dans des prédications, c'est pour nous servir d'exemple et vous faire savoir qu'on a vécu de toutes les couleurs des déceptions. Mais ce n'est pas pour accuser ces gens. On n'a même aucune rancune dans le cœur contre ces gens-là. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Que ce que tu as fait comme prière aujourd'hui soit suffisant ou suffisante pour te faire entrer dans la nouvelle gloire. Je déclare et je prophétise sur toi. C'est à toi de réagir en me donnant Amen. Tu me donnes un Amen plus fort que le Dieu Tout-Puissant te localise. Je déclare au nom de Jésus, avec ces peu d'attitudes qu'on a développées, que le ciel soit ouvert en ta faveur. Que le Dieu des cieux, le Dieu qui m'a fait croire et qui m'a parlé au sujet de cette nouvelle visitation de Dieu dans ta vie, qu'il te visite. Aujourd'hui, que la visitation de Dieu soit manifeste déjà. Que les grandes portes s'ouvrent devant toi. Que les opportunités s'ouvrent davantage. C'est à quoi tu n'avais plus accès hier, que tu sois capable d'y accéder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la santé qui était éloignée de toi te soit octroyée de nouveau. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Le Dieu des cieux, qu'il te visite davantage. Mais sinon, cette fois-ci, prie maintenant avec un cœur sincère. Ne sois pas dans des plaisanteries. Sors de la légèreté, sors des complots inutiles, réalise la bonté du Seigneur devant toi et que Dieu t'arrose, que Dieu te restaure, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ta santé, qu'il restaure tes activités, qu'il restaure tout ce que tu avais perdu au nom puissant de Jésus. En tant que ton pasteur, je te bénis. Reçois cette bénédiction de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Voilà que j'ai quand même totalisé pratiquement la quasi-totalité des minutes. Je vous recommande de vous abonner à notre chaîne YouTube Patrick Kalala, qui est une bénédiction pour les nations. Et ça, personne ne peut me dissuader. Combattu, mais je sais que c'est un canal de bénédiction. Et comme c'est une grande porte d'édification des familles, avec des prédications, des enseignements, des moments de prière comme celui-ci, beaucoup de personnes peuvent se retrouver. Et l'ennemi, sachant cela, il rentre dans les cœurs des personnes pour les embrouiller, afin de barrer la route, pour que le message ne soit pas prêché. Mais je prie encore que la grâce du Seigneur soit leur partage et que les portes s'ouvrent, qu'il libère les voies et que le message soit prêché. Sinon, pas libéré aujourd'hui, demain ils libéreront. On proclamera l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous prie de vous abonner. Allez-y sur YouTube. La chaîne est dénommée Patrick Kalala. L'homme de Dieu sur le profil, la photo de profil, je suis habillé en veste noire et chemise jaune. Je suis assis sur une chaise en bois. Cliquez sur s'abonner. Abonnez-vous. Dès à présent, après cette émission, allez-y. Vous êtes retrouvés, vous me suivez sur Facebook. Allez sur YouTube. Cherchez Patrick Kalala. Et puis vous allez voir notre profil. Je suis en veste noire. Je suis assis sur une chaise en bois dans un jardin comme ça. C'était à l'aéroport. C'est en Angola là-bas, au Cabinda. Donc, tu cliques sur s'abonner. Et puis tu cliques sur la cloche de notification. Est-ce que tu comprends? Tu cliques sur la cloche de notification et qui vit toutes les notifications. De sorte que quand on sera en direct, tu sois informé. N'hésite pas à t'abonner juste après avoir écouté ce live. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Ici sur Facebook, abonnez-vous aussi. Vous nous avez suivi parce que quelqu'un vous a envoyé un lien. La personne ne sera pas toujours là pour vous envoyer les liens. C'est pourquoi je vous prie de vous abonner vous-même. Abonnez-vous à la page Facebook Patrick à la Ministry pour bénéficier des moments d'édification et des prières d'affectation comme celui-ci. Vous voulez contacter l'homme de Dieu? Le pasteur répond au plus 1-331-262-49. 03. Le ministère, c'est Patrick Kalala Ministry. Vous voulez les soutenir d'une manière ou d'une autre, par les dons, par les libéralités, vous pouvez le faire en nous appelant au 331-262-4903. Plus 1-331-262-4903. Soit en faisant un transfert pour soutenir le Patrick Kalala Ministry,
c'est @PatrickKalalaMinistry. En un mot, @PatrickKalalaMinistry, ça c'est sur PayPal. Et directement, ces dons, cette offrande nous sera parvenue. Mais toutefois, même si vous avez fait un transfert comme ça, appelez-nous. Je disais @PatrickKalalaMinistry. Appelez-nous pour qu'on puisse avoir la confirmation et qu'on prie pour vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Allez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Portez-vous bien. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse vos entreprises. Qu'il bénisse vos activités. Merci. Bye bye. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse richement.